Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Resident Evil 4 Remake. Alors la dernière fois on s'était laissé donc comment on fait pour changer d'arme? 7, 3, ah merde. On s'était laissé donc après avoir fait la grande séquence où on était mort une fois là-bas et on avait récupéré les deux emblèmes. Maintenant on va placer emblème hexagonal, voilà. Rotation, ah oui carrément. Bah super, je vois pas. Ok, rotation à droite, rotation à gauche. Ok, Q c'est pour le retourner, d'accord. Ah, de ce sens là. Bah Z peut-être, non. Attends, je vois pas bien. Q, ok. S, ça fait rien. A, D. G, c'est bon. Voilà. Et là. Toujours pas logique, hein. Ah, mais putain, je suis con. C'est pas ça. Un peu plus bas. On tourne. On est bon. On est bon. Là, je voyais pas le truc du fond, j'étais obligé de... Parce que j'ai le soleil encore dans les yeux, c'est chiant. Bon allez, on avance. Pour se mettre en jambe, on commence l'épisode par un petit... Ça marche aussi ça, oui. Ok, donc nous on a récupéré la sniper aussi qui va nous être, je pense, très utile. Alors, j'ai pas de pièces mécaniques, non. Malheureusement, j'ai pas de pièces métalliques. Alors, on est où là? Ah, je vois très bien où on est. Alors, déjà, ça commence super bien. Ou super mal, selon le point de vue. Cassez-vous. Putain, mais on va prendre beaucoup de dégâts. Je vois pratiquement pas mon écran, les amis. Et j'ai pas envie d'augmenter la luminosité juste pour ça. Tiens. Voilà, on a cassé le couteau. Et maintenant on passe sur le couteau. Et j'ai glissé. Par contre, ça me donne une lumière verte. Je prends. Juste, on va ranger un peu tout ça. Ça, ça va dégager là. Je pense, comme ça. Le couteau ici. Grenade là. Grenade là. Ça ici, on va laisser ça là. Et l'herbe verte ici. Ça me paraît bien. Pèse des tasses. PTAS, c'est drôle. Lol. Recharge. Pourquoi ça fait plus 1? 10 plus 1. Genre, il y a 11 balles dans le chargeur en gros. C'est cela? Oh, ferraille, je prends. Bim, plante verte. Ça, c'est génial. Je prends la ferraille. On va la changer. Clac. Oh, faut ici. Ici, nickel. Et là, c'est un coffre. Ah non! Je croyais que c'était un coffre qui était. Bloqué. Alors, est-ce qu'il y a un trésor quelque part? Usine désaffectée. Pour le moment, il n'y a pas de trésor de ce côté. Ok. Ok, puis c'est A pour se retourner rapidement. Ok, ok. Ça me paraît bien. Avançons. Hop, 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 hop. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Là, on commence à... Là, je commence à plus trop reconnaître. Je reconnais plus trop les zones. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me montre quoi? C'est un bug? Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Il y a rien. Je pense qu'il faut faire le tour d'abord. Ok, là, il y a rien. Avançons, hein, sachant que je vois pas grand-chose. Bon, on s'en fout des corbeaux. D'ailleurs, je me souviens plus. Est-ce qu'ils avaient foutu ça dans Resident Evil 8 aussi, les corbeaux? Parce que. Ah, il me semble qu'il y a une histoire avec les corbeaux aussi dans RE8. Je crois. Alors. T'as une torche par hasard, Léon?
Ah, les jeux de lumière sont quand même bien foutus. Quand tu rentres dans la maison, il fait noir. Et puis petit à petit, ça s'éclaire, c'est cool. Moi, à propos de poupées, leur influence n'est plus ce qu'elle était. Détruisez les poupées mécaniques ne pardonnez rien à ces aristocrates. Ah, très bien. Une requête, on va la faire. Alors. Ah non, c'est pas une requête. C'est pas une requête. Moi, à propos des poupées. Oh non, c'est pas. C'est pour une requête. Ça pourrait, mais non, c'est pas une requête. Très bien, avance. Oh! Je l'avais pas vu celui-là. Oh, ça me rappelle un. Tout hasard. C'est pas toi qu'il faut récupérer? Si, c'est toi. Collier de perles, très bien! C'est carré ça! Mais il était pas sur la carte! Il y a un trésor qui est juste ici. Et ça a attiré le mec à la trompe. Oui, bon, oui, bien sûr. Casse-toi, dégage. 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 Non, mais oui, bien sûr. Évidemment. Alors, toi, mon rêve, je vais pas te louper. Cette fois. Tu sens quelque chose au moins? Ah, oui, je crois qu'il sent quelque chose, mais putain. Cette fois, je vais pas te louper. J'ai loupé ton pote tout à l'heure, mais toi, pas te louper. Allez. Sors ta tête. Allez, encore un coup. Il est mort? Nickel. Il donne combien de... Ah, une émeraude. Et du coup, c'est combinable ou pas ça? Trésor. Combinable avec certains trésors. Ok. Bon, c'est des trucs que je ne peux pas vendre. Un peu chiant, mais bon. Ça fera l'affaire. Rechargeur ça, nickel. Non, par contre, en voulant récupérer le trésor, ça a attiré. Ok, d'accord, ça a attiré le zombie. Ah, il y a un trésor qui est ici aussi. Là. C'est génial! Putain, ça m'indique les fins. Oui, en même temps, c'était déjà présent dans le jeu de base, donc. C'est pas vraiment une nouveauté. Hop, 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 hop. Pas vu. Nickel. T'es en scroll. Non mais ça fait vraiment Resident Evil Village ça. Je me crois dans Resident Evil. Enfin, ouais après c'est normal de dire ça parce que à la base Resident Evil Village il s'inspire de RE4. Bonjour. Bonjour. Casse-toi. Toi aussi, casse-toi. Oh non! Foiré! T'es mort. T'es mort. Voilà. Tranquillement. Faites pas chier. Bon, je vais regarder moi ici. C'est quoi ici? C'est pas l'église? Non, c'est pas l'église. Non, c'est pas l'église, c'est pas possible. Ça ressemble pas du tout à ça dans le jeu original. Tac. Les étages, je prends. Ah, faut bien vérifier, hein. Là, il y a un trésor, mais c'est dans cette maison. Du coup. Ah non, attends, moi je suis où? Objectif intermédiaire. Moi je suis là, et il y a deux trésors dans l'endroit, mais c'est fermé. Ok. Ah putain, faut bien regarder au sol. Le troisième que je me prends, c'est pas ouf ça. Ah, c'est ouvert, ok. Allez, je vais d'abord faire un tour. C'est fermé, ok. Manoir du chef du village. Ok. Je refais un petit tour et après on entre. Parce que je crois, il y a là. Je peux aller là aussi, hein. Non, je viens de là, moi. Non, je viens de là. Ok. Ouais. Voilà, il y a là. Et puis il n'y avait pas un portail tout à l'heure? Ouais, il y a là. Et c'est quoi ça? J'ai pas la clé. Petite clé, mais j'ai pas. C'est pour un. La petite clé, je pense que c'est pour un. Ah, oh, on aurait dû y aller d'ailleurs tout à l'heure le faire. Bon, peut-être qu'on repassera dans le marchand après. C'est pour un tiroir, la petite clé, je pense. Ok. Oula, oula, oula!
Attends, ah oui, d'accord, on est dans la maison. Ok. On est dans la maison, mais. Normalement, tu passes dans cette. Dans le jeu original, tu passes dans cette maison et après tu vois le gars à la tronçonneuse et pas l'inverse. Et là. Ouais, ok. Donc, non, techniquement, on est censé rencontrer Big Boss là. Enfin, le Big G's, comme il dit dans le jeu. Pesetas, 1000, je prends. Ça, c'est un code que je n'ai pas. Bah, j'ai pas. J'ai pas le code. Grenade, je prends. D'ailleurs, les grenades incendiaires, ils les ont enlevées dans le jeu ou elles y sont encore? Ok, space. Photo d'une famille. Enfin, chair de notre chair, sang de notre sang, remercions le Seigneur. Bon, vous voyez mieux que moi, je pense, hein, les amis, parce que moi là, je vois pas grand chose. Ouais, des vieilles photos. Ok. Petite clé. Ça, c'est sympa. En plus, on aura, en plus, elles sont même pas stockées dans l'inventaire, elles sont stockées dans l'objet clé, et ça, c'est cool. Œuf de poule brun. Bah écoute, vu ma vie, voilà, autant utiliser. Alors, juste, j'ai pas de fer. Ah, si, si, j'ai ça. Eh ben. Bah, fabriquons des munitions. Bonus de création 5, sérieux? Génial. Ça m'en a filé 5 pour la bonus de création. Ok, très bien, on peut ressortir par là. On va monter à l'étage. Enfin, il y a une machine écrire à l'étage. Et à cet endroit, il y a un trésor. Alors d'abord, on va chercher le trésor. Derrière moi. Selon ce qu'il me dit, il y a un trésor. Là. Un rubis, très bien. Je l'ai récupéré du coup. Ouais. Ok, nice. Machine à écrire, herbe rouge, ça je prends. Hop. Foutre ça là. J'aime bien quand c'est bien trié. Petite sauvegarde. Tac. Voilà, on continue. Illuminados. Ok, super, 4 tiers. En signe de vénération pour leur maître, les habitants offrirent leurs biens les plus précieux. Le vieux fermait sa meilleure récolte. Le porcheur fluait son plus gros cochon. La vieille femme démunie, son enfant bien-aimé. Sérieux? Ok. Attends. Les habitants offrirent leurs biens les plus précieux. Mais c'est pas pour un sacrifice, parce que bon... ouais, non, après, les Illuminados, dans le jeu, ils sont un peu... c'est un peu limite, leur pratique. Le maître se réjouit de ses offrandes. Très bien. Attends, quoi? Qu'est-ce que ça dit? T'as pas une description du truc? Parce que bon, je pense que c'est un truc circulaire. La carte, qu'est-ce que ça me dit? Porte avec emplacement rond. Et là derrière? Attends. Qu'est-ce que ça me dit en bas? Cadenas à combinaison. Photo d'une famille. Ok. Oh, mon ami, c'est une énigme de merde. Ah, y'a quoi là? T'as pas moyen de vérifier chaque truc? Oh, à tous les coups, c'est une énigme à la con. Ferraille, je prends. Enfin, quoique. Alors, en fait, faudrait qu'on fabrique peut-être un peu nos munitions mitrailleuses. Et ça, il en faut 10 pour munitions de fusil. Bon, on va se laisser de côté. Même si. Ça commence à prendre de plus en plus de place tout ça. Là, on va revoir. Tatou, coupe, aigle. Espace. Ouais. Bon, alors attends. Regardons le document. Peut-être que la réponse est là-dedans. Illuminados. Récolte cochon enfant. C'est pas ça là, par hasard l'énigme? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire récolte? Enfant, le dernier. En plus, ce sont le plus gros cochon. Non. Un cochon, voilà, et récolte. Pas très compliqué. Bille de cristal. Et autre chose? Non. Bon, allons voir à l'étage. Bon, c'était pas très compliqué. Les petites énigmes faciles. Ce connard va.
Non. Oh putain. Eh, vous savez quoi? Bah je te vois pas. Je sais pas où t'es, je le vois pas. Voilà. On l'a calmé. Poudre noire, x3. Je peux toujours pas crafter? Si. Ouais non mais en fait je sais pas, ça sert à rien pour le moment de... Oh, faudra que je les... Vous venez, moi je les stocke dans une machine à écrire, au pire le E. Ah je suis sûr que je peux pas. C'est que pour les armes. Coffre. Ah je peux pas. Bon c'est pas grave. Attends, je vais juste sauvegarder un coup. Non, j'ai fait une double... Bon c'est pas grave. J'ai fait une double sauvegarde sans faire exprès. Alors hop. Let's go. Oh mais vous êtes sérieux? Faut faire quoi? Faut reproduire le symbole ou un truc du genre? Ouais c'est bon, wow, c'est pas très compliqué non plus ça. Regardez, c'est trop facile. Ah oui carrément, il n'y a pas de cinématique en fait, c'est... Alors, chronique du village, date 10 octobre, le ciel est étrange ce dernier temps, le blé se dessèche et les vaches maigrissent. 8 décembre. Famine, il est vraiment con de main d'œuvre pour les travaux de champ, mais les ordres du Lord Saddler ne sauraient être remis en cause. Mettez sur pause si vous voulez lire, j'ai la flemme de lire. Ok, bon c'est lui Lord Saddler au cas où vous avez pas compris. Ah, on l'a déjà maintenant celui-là? Oui, bah oui, infinis... oui c'est normal en même temps. Ah oui c'est vrai, lui il est pas au courant. Machine à écrire, shift résultat. Ouais. Standard 59 minutes, 50 ennemis tués, mort 1, précision 71. Très bien, ensuite résultat, pause, shift. Tac. Bon on s'en fiche hein, les amis, pour le nombre de sauvegardes. Moi je sais que ça change le rang il paraît, mais moi je m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Onigan? Bruce Secondor 1, I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. Bon, très bien. Eh bien, d'accord. Chapitre 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Aller à l'église. Oh, passage secret. Carrément. Faut de l'aide de quelqu'un. D'accord. Bon, du coup, j'ai l'insigne de l'Illuminados. Donc, du coup, je vais pouvoir retourner au village. Enfin, au premier village. Souvenez-vous. Ok, y'a quoi là? Ah, on a déjà vu ça. Ok, nickel. Ok, on a deux grenades, ça c'est cool. Sauvegarder. On va repasser devant le marchand, je pense. Sauf si on peut passer ailleurs. Attends, moi j'ai juste une question. Putain, tu fais déjà nuit? Non, je voulais pas qu'il fasse nuit. Faites chier. Je m'y repère pas, en plus je vois pas grand chose. Là il y a une porte là, voilà. Ah, à moins que je puisse passer par là.
Ah, je peux baser, très bien. Attends, dis-moi que tu le gardes au moins. Hein. Oui, ok, parce que ça sert à pour plus tard. Non, il n'y a pas les chiens. Si. Ah, non. Ah non, mais... Ok, il est là, lui. Oh, mais non, mais... normalement, c'est beaucoup. C'est au tout début du jeu que tu le sauves, normalement, lui, dans le jeu original. Oh, mais c'est cool. Bon, ils l'ont mis maintenant, bon, c'est pas grave, mais... Ok, ok. Bon, alors, lui, ça sera... C'est plus tard, hein, il va nous servir plus tard. Bon, j'aimerais retourner au marchand de tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas loin. Lui acheter... non, lui vendre. Non, lui acheter, je sais plus, attends. Retourner au marchand, pourquoi déjà je voulais... Je sais plus. On va bien voir. Oh putain, le jeu, il est magnifique. Mais... Bah évidemment, foutez-vous de ma gueule. Putain, le jeu, il est beau, il est d'une beauté, le jeu, c'est un truc de ouf. Ah, ils ont boosté le Hero Engine, mais comme il faut, quoi. C'est un truc de ouf. Et maintenant, la flamme... Yeah, welcome. Vendre. Alors, toi, déjà, je te vends ça. Ça, c'est combinable. Objet destiné à être vendu, très bien. Trésor. Ok. Alors. Lunettes, tout ça. Non, pour le moment. Modifié. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais t'acheter la dernière fois? Ah, mais non, attends. C'est pas ça. C'est pas lui que je voulais retourner voir. Je suis con, ah, j'ai rien à t'acheter. Si j'ai peut-être. On verra plus tard pour le spray. Oui, je come back anytime, pas de soucis. Non, c'était le petite clé là. Ah, si c'est des balles par contre, pas ouf. Hein. Non, mais c'est un trésor, je pense. Wow, nice! Oh, nice! Alors. Comme les trésors, vous pouvez voir les trésors que vous avez récupérés dans le menu objets clés et trésors. Certains trésors peuvent être vendus plus cher si vous y insérez des pierres précieuses. Alors celui-ci, parce qu'à l'époque c'était 3 pierres que tu pouvais insérer. Mais maintenant, 3 pierres aussi. Alors, sertir. Une émeraude. Oh, c'est génial! Une émeraude. Oui, alors confirmer. Ah non, on peut pas, d'accord. Et j'ai pas de jaune. Par contre, je crois qu'il en vend une. Ouais, et il me manque une jaune. Ok. Il me manque une jaune. Mais la jaune, tu la vends, toi. Oui. Donc je te la prends. Tac. Mais c'est carré. Putain, c'est bien foutu leur nouveau système là. Hop. Tac, et maintenant ça vaut combien? Bon, ça vaut 20 000, je pense. Comme à l'époque. 24 000, oh, c'est mieux. C'est même mieux qu'à l'époque. Allez hop, prends ça. Bon, ensuite, acheter. Je t'achète déjà un petit spray. Et pour le moment, je ne t'achète rien d'autre. Les améliorations, on verra ça au prochain marchand. A plus, mec. Tu m'as été bien utile. Y'a quelque chose là? Non, y'a rien. Bon, continuons. Hop. Continuons encore un petit peu ensemble, les amis. Histoire de dire. Et après, on s'arrêtera. Ok, continuons. Du coup, on a été là la dernière fois. Tac. Donc, je vais retourner cette séquence parce qu'il y a eu mon logiciel de record qui a foiré. Donc, la séquence que vous allez voir là, bah, je le connais déjà. Je le connais déjà. Donc je la retourne parce que mon jeu de record qui a foiré, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça va être plus facile pour moi de savoir où c'est qu'il faut aller. Il y a lui là, putain. On peut pas avoir la paix. Tac. Allez, nickel. Donc on retourne dans le village normal. Avec tout ce qu'il y a respawn. Enfin ici non, mais.
Dans notre maison, ça respawn, c'est plutôt cool. Tac, recharge un coup. Faut faire attention, il y a les chiens qui vont arriver là. Regardez. Voilà, du coup, j'ai plus l'effet de surprise, ça fait chier. Merci logiciel de montage de merde. Enfin, logiciel de record de merde. Après, c'est aussi mon PC en ce moment qui me fait n'importe quoi. Oh! Foiré! T'es moi, j'apprécie tes souffrances, mon ref. Pourquoi tu recharges? T'enlèves pas, hein? Super. De 1, j'ai plus que 2 munitions. De 2. Bon, maintenant c'est bon, la vie c'est mieux. Par contre, j'ai plus de munitions de fusil à pompe, ça va pas ça. Ça va vraiment pas. Ça va pas. Non, moi je dis ça va pas. Putain, puis je me prends un piège, évidemment. Bon, ça va au moins, c'est pas comme à l'époque, ça fait pas perdre de vie. Bon. Alors. Il y a des choses qu'on respawn ici, non? Non, pas de ce côté. Ok. Là, non. Putain, je l'esquive une fois, je l'esquive pas deux fois. Évidemment. En même temps, je les vois pas en fait. Là, actuellement, j'ai le seuil dans les yeux, ça me casse les couilles, je vois rien. Tac. Nickel. Ok, y a rien d'autre ici. Ah ouais, je navigue à l'aveugle et je vois rien. C'est chiant. On va aller là, il y a quelqu'un dedans normalement. Ah oui, attends, tape d'abord. Ah non, c'est pas dans cette maison qu'il y a quelqu'un. Ah bah si, il y a quelqu'un, mais pas dans cette pièce là. Dans la pièce d'à côté. Regarde. Ouvre doucement. Casse-toi, toi. Hop. Prends-toi un coup de pied retourné. Bam. Not bad, effectivement. Tac. J'ai l'impression que le couteau, il ne se casse pas de la même manière. Des fois, il va prendre plus dans la gueule. Plus de durabilité dans la gueule que d'autres fois. C'est je crois que c'est qu'une impression. Peut-être que c'est... Peut-être non, en réalité... je sais pas, plus tu fais de dégâts au pistolet, plus le... Et que tu termines un ennemi au couteau, plus il a de dégâts pris l'ennemi, moins le couteau prendra de dégâts. Je suppose. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. J'en ai aucune idée. Allez, dégage. Dégage. Ça c'est gentil les munitions, merci. Attention, il y a encore quelqu'un là. I think. Eh ben ma pensée était bonne. Tiens. Ensuite. Ça dégage. Voilà. Il y a d'autres choses ici? Non, pour le moment rien. Ok. Très bien. Well done. S'il faut qu'on remonte, qu'on passe par là, comme ça on atterrit ici, parce que vous voyez que là, vu que la tour est tombée, bah ça a tout bloqué, donc faut accéder à cet endroit là. Non, mais là y a rien. Ils ont fait rien relouté, c'est nul. De ce côté y avait rien, et de ce côté je sais plus. Et bah y avait rien aussi. Carré. Bon, revérifions ici. On sait jamais. Sur un malentendu. Ok, nickel. Maintenant,
Maintenant, on se casse. Et pour se casser, descend. Pour se casser, c'est par là. C'est par ici. Tac. On se casse par là. Attention, il y a peut-être quelqu'un. Ouais, ouais, il y a quelqu'un normalement. Bonjour. Reste à terre. Reste à terre. Couteau de cuisine, je prends. Comment ça se fait que c'est une femme qui a un couteau de cuisine? Hein? 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 Bonjour les préjugés, hein? What? Wesh, ça... Attends, quoi? C'est quoi ici? Ah, c'est un cul-de-sac. Attends, quoi? Bah, attendez, on explorera ça dans le prochain épisode, d'accord? Vous voulez bien? Vous voulez bien, hein? On explore ça dans le prochain épisode. Là, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Quant à nous, allons ici. Alors, explorons un peu. Et la sauvegarde, elle est bientôt, hein. Tac. Hop, grenade, je prends. Encore Lord Saddler. C'est le serpent qu'on entend, hein, le serpent qui a été caché dans la caisse. Pour ceux qui connaissent le jeu original. Charmant. Tac. Ouais, je prends. Pour recharger mon fusil à pompe. Vous avez vu, il est là le serpent. Je l'ai eu. Vipère, qu'est-ce que c'est? Ça se vend ça? Non, ça se vend pas. Un serpent de taille moyenne au motif unique, s'il est retiré, il peut être mangé, il peut être utilisé pour gagner de la vie. Sérieux? C'est nouveau ça? Bon. Oui, totalement. Ça c'est l'astuce du vendeur, on livrera ça plus tard. Tac, tac, voilà. On prend la roquette, on la lira plus tard. Bon, qui nickel. Plus tard, je take a look plus tard. Tac. Allez, nickel. Les amis, on s'arrête là pour cet épisode de Resident Evil 4. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, et bien like, pardonnement. Vous connaissez la chanson, j'ai très très hâte de continuer le jeu. Il est vraiment génial. Bref, c'était Commandant Retro. Bye tout le monde.